Bonjour, je m'appelle Béatrice et je serai votre coach sportif pour les 12 prochaines semaines. Pendant 12 semaines, je vais vous accompagner sur 3 séances par semaine de 15 minutes. On aura du cardio, du renfo et du stretching. On commence aujourd'hui par une séance de reprise du sport en cardio training. Si vous n'avez pas fait de sport depuis un petit moment, vous allez peut-être trouver cette séance un peu intensive. Donc l'important, c'est d'aller jusqu'à la fin des 15 minutes. Accrochez-vous, je suis là pour vous encourager et pour vous motiver à aller jusqu'au bout. Si vous êtes niveau débutant, justement, pas fait de sport pendant un petit moment, si vous êtes en surpoids, si vous êtes enceinte ou si vous sortez d'une grossesse ou encore si vous avez des douleurs articulaires, prenez toutes les options sans impact. Si vous êtes niveau intermédiaire, suivez la séance, respectez bien les temps de récupération. Et si vous êtes niveau confirmé, n'hésitez pas, pendant la récup, on reste actif en position de planche. Pour cette séance, vous aurez besoin d'un tapis, d'une bouteille d'eau, de chaussures avec un bon maintien, un bon amorti et une bonne brassière. On est parti! On va commencer par un déverrouillage articulaire. Vous allez faire des demi-cercles avec la nuque, donc vous allez uniquement sur l'avant et sur les côtés. Très bien, revenez au centre, enroulez les épaules vers l'arrière. Voilà, n'hésitez pas à avoir une bonne amplitude, changez de sens. Très bien, ensuite on va réveiller le dos, on twiste le buste. Voilà, doucement, pas de grosse amplitude, uniquement pour réveiller les vertèbres. Très bien, on revient au centre, rotation du bassin. Donc vous gardez bien les pieds bien ancrés dans le sol, les jambes tendues et vous tracez de grands cercles. Voilà, changez de sens, très important de déverrouiller le bassin pour cette séance. Parfait. On serre ses jambes, on attrape ses genoux, on fait 5 rotations dans un sens. On change de sens. Parfait. Et on reste dans l'axe flexion, extension. Très bien. On termine par les chevilles. Donc vous gardez le gros orteil au niveau du sol, vous faites des rotations dans un sens, vous changez. Très bien. On termine par la cheville ici. On change de sens. Et on est parti, on court sur place. Voilà, activez les bras pour commencer à activer le cœur. Très bien. Au fur et à mesure de notre petite course d'échauffement, je vais vous démontrer tous les exercices qui nous attendent. Ok? Alors, premier exercice, jumping jack. J'en fais deux de face, deux sur les côtés. Je reviens de face et je change de côté. Ok? Option sans impact. Hop et hop. Je change de côté, très bien, voilà, hop, et hop. On continue de courir sur place. Ensuite, deuxième exercice, on va se placer en planche, ok, et on va faire des petits sauts, les deux pieds en même temps. Option sans impact, un pied après l'autre. Si ça tire trop dans le bas du dos, je pose mes genoux, poids du corps vers l'avant, sans cambrer le dos. La tête dans l'alignement de la colonne. Et je peux me relever pour continuer la course. Très bien. Ensuite, troisième exercice, les fentes runner. Je fais un grand pas vers l'arrière. Je fléchis les genoux à 90 degrés. Et je monte le genou. Soit avec impact, soit sans impact. Ok? Et à mon signal, vous changerez de jambe. On reprend la course. Très bien, et maintenant on va avoir besoin du tapis. On se place sur le dos, bras le long du corps, les talons proches des fessiers, et je vais relever mon bassin et redescendre sans toucher le sol. Hop, je monte, je rentre le ventre, je serre les fesses et je redescends en frôlant le sol. J'expire, j'inspire. Voilà. Ok. On n'a plus besoin du tapis. On reprend la course. Et enfin, dernier exercice, le squat sauté. Donc je me place en position de squat, pied plus large que les épaules, pointe de pied vers l'extérieur. Je fais un squat et je saute. Ok? Je tends bien les jambes quand je saute. Option sans impact sur les pointes. Voilà, contractez bien vos mollets. Très bien. Et on a terminé notre échauffement. Alors, pour la séance, j'ai fait appel à la méthode du circuit training. Donc, j'ai sélectionné ces 5 exercices que vous venez de voir. On va effectuer chaque exercice
sur 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. On va faire ça sur 3 tours. Entre chaque tour, 1 minute de récupération. Ok ? On est parti pour le jumping jack, 40 secondes. Voilà. Placez bien vos talons dans le sol. Et ensuite, vous êtes sur la pointe quand vous réunissez vos pieds. N'oubliez pas l'option sans impact. Voilà. Je reprends l'option avec impact. Il vous reste encore 15 secondes. Allez, on s'accroche. C'est bientôt fini. Après, on a 20 secondes de récup. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Récupérez. Très bien, relâchez les jambes. Ralentissez votre fréquence cardiaque. Et on va partir pour l'exercice d'après. Donc en position de planche. Ici, les mains sous les épaules. Le bassin aligné avec les épaules. Et on est parti. Les sauts sur les côtés. Voilà, restez bien gainés. Rentrez le ventre. Et n'oubliez pas, option sans impact pour niveau débutant. Voilà. L'important, c'est de bien rester gainé. Ça protège votre dos et ça travaille votre sangle abdominale. Allez, 20 secondes. On reprend avec impact si on peut. Voilà. N'allez pas trop sur les côtés. L'important, c'est de faire des sauts rapides. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, placez les genoux au sol. Placez-vous sur les pointes de pied et déroulez la colonne. Parfait. On récupère. Est-ce qu'on se souvient du troisième? Ici, les fentes. Je fais un grand pas vers l'arrière. Je fléchis mes genoux à 90 degrés. Et on est parti. Je monte le genou. On reste toujours sur la même jambe. Hop. J'ai mon buste bien vertical. Je ne pars pas vers l'avant. Voilà. Et option sans impact. Mais l'important, c'est d'aller chercher le sol avec le genou de la jambe arrière. 3 secondes sur cette jambe. Très bien. Et on change. Grand pas vers l'arrière. Je fléchis et je monte. Voilà. Fixez un point devant vous et activez les bras. Ça vous aidera à garder l'équilibre. Très bien. Encore 3, 2, 1. Et récupérez. Attrapez votre tapis. On s'allonge sur le dos, talons proches des fessiers, bras le long du corps. Et on est parti. Je monte, je reviens. Voilà, j'expire quand je monte, je rentre le ventre. Et je reviens ensuite à 1 mm du sol. Voilà, la respiration est très importante. Et on synchronise aussi ses fessiers quand on monte. Voilà. Très bien. Si ça tire trop dans le bas du dos, prenez un petit peu de récupération, ramenez les genoux vers la poitrine et ensuite vous repartez. Encore 10 secondes. Très bien. Expire, inspire. Allez, 3, 2, 1 et relâchez. En route pour le dernier exercice. Dernier exercice du circuit, les squats sautés. On fléchit, on tend. Voilà, pendant 40 secondes. Et après, c'est la récupération du premier tour. L'option sans impact. Fléchis, tends les jambes sur les pointes de pied. Active bien tes quadriceps en tendant les jambes. Et active tes mollets en montant bien tes talons vers le plafond. Hop! Allez, on s'accroche, c'est la fin du premier tour. 10 secondes. Appuie bien sur tes talons pour remonter. 3, 2, 1. Récupérez pendant 1 minute. Pensez à vous hydrater entre chaque pause si vous ressentez le besoin de boire, bien sûr. Ne vous forcez pas sinon.
reparti pour le deuxième tour. Allez, jumping jack 40 secondes. Voilà, là c'est pareil, si vous sentez que c'est trop difficile, vous reposez quelques instants et vous repartez sans impact, bien sûr. Voilà, on active les bras, très important pour les épaules. Parfait, moi je reprends avec les impacts le plus rapidement possible, que ce soit avec ou sans impact. Parfait. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Deuxième exercice, on se place en planche. Voilà. On rentre bien le ventre et on est parti. Voilà, petit saut sur les côtés. Très bien. N'allez pas chercher trop loin. L'important, c'est la rapidité du saut. Sans impact. C'est pareil, n'allez pas chercher trop loin. L'important, c'est de bien rester gainé. Et sinon, option statique, on rentre le ventre, poids du corps vers l'avant, sans creuser le dos. Attention. Voilà. Allez, dernière seconde. Encore 10. Allez, rapide, rapide, rapide. On s'accroche jusqu'au bout. 5, 4, 3, 2, 1. Placez-vous sur les genoux, sur les pointes de pied. Et déroulez la colonne. Parfait. Troisième exercice, les fentes. Un grand pas vers l'arrière. Je fléchis. Et on est parti. Allez, monte le plus haut possible. Et le plus rapidement possible. Tendez bien la jambe d'appui quand vous sautez. Et respectez bien la flexion des deux genoux à 90 degrés. Sans impact. Voilà, n'oubliez pas les options. Très bien. Et on change de jambe. Allez, rapide sur l'enchaînement. Et on saute, pour celles qui peuvent. Allez, rapide. Et on s'accroche. Rentrez le ventre. Fixez un point devant vous. Encore 3, 2, 1. Et récupérez. Attrapez votre tapis. Allongez-vous. On est reparti pour le relevé de bassin. J'expire, j'inspire. Je rentre le ventre et ensuite je garde le ventre serré même sur la descente. Bien sûr, restez toujours gainé. Contractez vos fessiers au maximum quand vous alignez genoux, bassin et épaules. Allez, cet exercice il vous permet de récupérer au niveau du cardio. Donc respirez profondément. Voilà, tout en gardant une certaine intensité, bien sûr. On n'oublie pas, c'est la séance de reprise du sport en cardio training. Allez, 5 secondes. Parfait. 3, 2, 1. Et on enchaîne sur le dernier exercice. Les squats sautés. Allez, encore 5 secondes de récup. Donc n'oubliez pas, les pieds plus larges que les épaules, pointe de pied vers l'extérieur. Et on est parti. Allez, fin du deuxième tour. Très bientôt. Tendez bien les jambes. Voilà, et allez chercher le sol avec votre bassin quand vous fléchissez. Super. Allez, on continue. On s'accroche. Option sans impact. N'oubliez pas. Tendez bien les jambes. On contracte ses abdos. On ouvre la poitrine. Allez, il reste 10 secondes. On s'accroche jusqu'au bout. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Récupérez une minute.
On est parti pour le dernier tour, donc ça va être le plus difficile. Accrochez-vous jusqu'à la fin, c'est vraiment important pour pouvoir progresser par la suite. Ok? Allez, jumping jack, 40 secondes. Dernière fois, ouvrez bien les jambes, fléchissez. Voilà, sur les talons. Parfait. N'oubliez pas d'activer les bras. Et bien sûr, n'oubliez pas les options. Sans impact. Voilà. Allez, je reprends les impacts. Allez, c'est bientôt fini. On s'accroche. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Récupérez. Relâchez les jambes. Ralentissez votre souffle. Inspirez profondément. Et on va partir pour les sauts sur les côtés en planche. Allez, en position. Rentrez bien le ventre d'ores et déjà. Et on est parti. Allez, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Rapidement. Voilà, le bassin, il doit très peu bouger. Ok? Le bassin n'est pas vers le haut non plus. Voilà. Option sans impact. On n'oublie pas. Et option statique. Ok? En rentrant bien le ventre. Allez, on repart. Encore 15 secondes. Allez, rapide, rapide, rapide. 10. Accrochez-vous. Dernière seconde. 5, 4, 3, 2, 1. Sur les genoux, sur les pointes de pied. Et déroulez, relevez-vous doucement. Troisième exercice. On est parti pour les fentes. Un grand pas vers l'arrière. On fléchit et on est parti. Voilà. Souvenez-vous, on fixe un point devant pour garder l'équilibre. On active ses bras. Et on va chercher le sol avec le genou de la jambe arrière. Les genoux sont bien dans l'axe des pieds. Voilà, vérifiez bien de votre côté. Et changez de jambe. Allez, on enchaîne tout de suite. Perdez pas de temps sur la transition. Sans impact, c'est possible aussi. Voilà. Restez bien gainés. Encore 3, 2, 1. Récupérez. Attrapez votre tapis. Allez, on s'allonge. Dernière série de relevés de bassin. On est parti. Et cet exercice nous permet de récupérer au niveau du cardio avant d'enchaîner sur le dernier exercice du squat sauté. Voilà. Pas d'impact. Ça fait du bien aussi. On monte, on descend, on souffle, on inspire. Voilà, on rentre bien son ventre. On aligne genoux, bassin et épaules. Donc on monte vraiment. N'hésitez pas, hein, soyez pas timide sur la levée du bassin. Allez, encore moins de 10 secondes. 3, 2, 1. Et relâchez, attrapez vos genoux pour arrondir le dos. Et relevez-vous, prenez de l'élan. Rangez votre tapis. Et dernier exercice. Les squats sautés. 2 secondes. Et on est parti. Allez, poussez dans les talons. Tendez bien les jambes. Voilà. Allez, c'est la dernière fois que vous le faites. On est contente de reprendre le sport. Allez. On monte le plus haut possible. Encore plus haut. Option sans impact. Voilà. Descendez bien hein, le bassin quand vous êtes en squat. Les fesses vers l'arrière et vers le bas. Allez, dernière répétition. 5, 4, 3, 2, 1. Et récupérez. C'est la fin du troisième et dernier tour. J'espère que cette séance vous a plu. J'espère que ça a bien chauffé dans les muscles et dans votre cœur, ce qui est complètement normal et ce qui était recherché dans cette séance.
Je vous invite à la refaire plusieurs fois dans la semaine pour que ce soit efficace pour commencer à brûler les graisses. Hydratez-vous bien tout au long de la journée et tout au long de la semaine. C'est très important pour votre récupération. En attendant, je vous retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube du Health.